Ok, on y va pour un petit pack opening. J'ai pas joué à Rivaux cette semaine. Faute de temps, tout simplement. J'ai joué un petit peu à Clash. Continué GM. Même si c'est période de quarantaine, j'ai d'autres responsabilités. Donc j'ai continué de gamer juste environ 1 heure par jour. D'où pourquoi j'avais pas le temps pour Rivaux. Ma boutique on a un pack qui est quand même assez rare, hein? Le pack Jumbo joueur NHL à 60 000. On le voit pas souvent ce pack-là, il est plus mystérieux. Je l'ai déjà eu dans une récompense quand j'avais terminé platine, si je me trompe pas. Mais sinon, ou diamant, platine ou diamant, je sais plus. Mais bref, je l'ai pas vu souvent. Donc on va en profiter, on va l'acheter. Mon total de POC va bien, 388 000 POC. Fait que 60 000, pourquoi pas? Surtout que j'ai pas acheté de pack spécial équipe de saison vu que j'aimais vraiment pas ce qu'il y avait à offrir. On regarde les stats en premier. Donc, 84% des chances pour un joueur 83 et plus. Ça répondra pas à un besoin. Mais quand même 32% de chances, donc environ une chance sur 3 d'avoir un gars de 86 et plus. Ça risque de pouvoir nous aider si on en a un. Vu que la défense fait toujours aussi pitié, là, c'est aussi pour ça que j'ai pas joué à Rivaux. Tout le monde que j'ai affronté en Ligue 7 avait des défensives tellement meilleures que la mienne. Mais vous le savez, moi je mets juste des joueurs que j'obtiens dans des packs. À l'exception de Kaliev, bien sûr, qui était l'échange de Selané. Fait qu'on y va, on achète ça. On regarde, on regarde, on regarde. Bon, fait que notre joueur de 83, on l'a déjà. C'est sûr qu'on va le mettre à vendre. Quand même pas mal de cartes, ça, au moins c'est un peu rassurant. Ok. On aimerait ça quand même booster l'alignement, parce que c'est quand même 60 000 pocs. C'est un peu long à ramasser. Ok, envoyez donc, envoyez donc. Oh, il y a plein de spéciales. Pourquoi pogner sa carte de base? Ah ouais, ah ouais! Ouf! C'est pas gros comme OV, ça, Nate Thompson. Envoyez, envoyez, s'il vous plaît! Là, à date, on est dans le 84% de chance. Ce serait le fun de tomber dans le 32%. Oh, tabouin! Ah, oh, come on! Une spéciale de 82. Ouh! 3 points d'énergie. On s'en fout ben raide. Il jouera jamais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah! Il y a déjà 2,83 qu'on pogne. Fait qu'officiellement, on est vraiment dans le 84% des chanceux, mais hey, un doublon! C'est justement mon sixième def. S'il vous plaît. S'il vous plaît, 60 000! Come on! Oh boy! Fait qu'on est dans le 84%. C'est pas tout à fait suffisant. Fait que 60 000 pocs. Parti! Envolé en fumée. On va tout te remettre ça à vendre. Ça vaut pas cher. Majorité des cartes là, de base, je les vends environ 950 pocs. Fait qu'on est pogné avec ça. Au moins, c'était un beau pack, hein? De l'extérieur, il était bien beau. À l'intérieur, c'était moins le fun. Fait qu'on y va avec ça. Prochain épisode de GM, l'épisode numéro 10, est déjà filmé. On avait parlé de peut-être faire des échanges. Vous êtes plusieurs à avoir commenté. Je vous ai répondu pas mal à chaque fois que je pouvais. Fait que restez pas surpris s'il n'y a pas de gros échanges pour l'instant, mais j'ai tout pris ça en note. Il y a quelque chose qui s'en vient, ça c'est sûr. Donc, ben, je vous souhaite d'avoir quand même du plaisir, parce qu'en temps de quarantaine, tout seul à la maison, le temps est long.